Ok, je crois que l'enregistrement et que le stream est lancé. Normalement, ça devrait être bon, ça devrait commencer. J'attends juste de voir qu'il n'y ait pas de retour parce que c'est toujours le problème qui nous arrive à chaque fois. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, il me remet le son des fois. Non, il n'a pas remis le son. Bah, c'est bien, c'est parfait, c'est impeccable. Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans ce tout nouveau live. Live du le samedi. Non, mais on n'est pas le samedi, Ben. Et du coup, non. Le live du mercredi, mais un mercredi sombre, le mercredi 22 novembre. Savez-vous ce qui se passe le mercredi 22 novembre? Rien du tout. Bon courage, Kitsan, j'ai suivi ta liste de jeux. La liste de jeux était proposée par Monsieur le ministre de l'animation ici présent. Il y avait plein de jeux et je me suis dit on va faire un autre live où on testera plus de jeux. Mais j'ai pris un qui me semblait intéressant. Donc Kitsan, merci à toi. C'est Kitsan qui nous a proposé ce live. Du coup, je vais lui laisser la place. Hein. C'est lui qui va faire le live. Moi, je vais le regarder jouer. Franchement, bon courage. Il fait vraiment peur. Non, arrête. Bonsoir à tous en tout cas, bienvenue à vous dans ce tout nouveau live. Live du mercredi qui change. Puisque je vous l'avais promis, je vous l'avais dit. Avec ma casquette de vigile. Il y a Vigipirate, les gars. C'est moi, wesh. Hey, petit rappel là, c'est un jeu plus vite, si vous êtes sensible, ne regardez pas. Mais non, il fait pas peur, les gars. Arrêtez. Moi, je vous dis. Non. Moi, je vous dis, les gars, si ça fait peur, on va changer de jeu, on va aller sur Train Simulator. Génial, la coupe des cheveux. Eh non, là, franchement, les gars, c'est le style. C'est le style. Dadabo, tu mets combien à mon style? Salut, Serge, bonne idée, la casquette pour cacher la coupe. Comment ça, la coupe de merde? Très bien la coupe de cheveux, j'ai la coupe du vigile ce soir. Arrête de tousser et enlève-moi cette horreur qui est sur ta tête. Fred, je pense que pour Noël, je vais te prendre une casquette Sarge le chef. Avec ça, on se sent en sécurité pour faire le vigile. Non, moi je me barre. Non, mais il fait vraiment peur. Arrêtez. Mais il fait pas. Attendez, non, mais le jeu, il a des graphismes de 2002. Me dites pas qu'il fait peur autant que ça. Eh, 10 sur 10 le style, franchement. Ah ouais? Ah, merci Sarah, si tu veux. Quand tu veux, on t'envoie une casquette ou un t-shirt Sarge le chef. Salut Sarge, c'est le premier live que je regarde sur ta chaîne. Et bienvenue à toi, Gronald de F. Bienvenue à cette section-là, vive le Québec libre. Eh, salut Québec libre. Cadian Outlast, c'est un pilier des jeux d'horreur. Bah arrête. Attendez. Je crois qu'on s'est pas compris là. Moi j'avais dit un jeu soft. Brolac, hey, bonsoir à toi Brolac. Attendez les gars, sur 20, vous lui mettez combien Outlast? Non, mais arrêtez, arrêtez. Vous faites juste ça pour pas que je joue. Moi, sinon, on va sur FNAF. Sarge sur Outlast, OMG. Eh, d'ailleurs, Sarah, j'ai pas oublié que tu voulais qu'on fasse un jeu d'horreur. C'est pour ça que j'ai bien précisé que c'est le tout premier live horreur. Et si tu voudrais qu'on fasse un jeu horreur ensemble ou vraiment quoi que ce soit, on en fera d'autres. Là, vraiment, les gars, je vous cache pas que ce soir, j'avais pas trop le temps de faire un truc propre. Je dis pas que ma tenue pue la merde, mais je dis juste qu'en gros, en ce moment, il y a beaucoup de contrats, il y a beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de projets, donc j'avais pas le temps de faire un gros live Halloween. Et le truc qui est dommage, c'est que bah là, comme c'est novembre, comme il y a les cours et tout, bah il y a moins de monde le mercredi. Du coup, c'était dommage de faire un gros concept le mercredi. Sachant qu'en ce moment, il n'y a pas encore trop de monde. Vous voyez, là, on tourne autour de 22. On va pas se mentir, c'est très bas par rapport à d'habitude. Mais c'est pas grave. Menteur, c'est pas le premier live horreur. T'avais fait un live FNAF. Ouais, mais c'était il y a plus de 2 ans, ça c'est vieux. Yo, comment ça va? Ça va et toi, Ninja Snipe? Beaucoup d'argent, yo. Eh, franchement, les gars, on a 3 partenariats en ce moment. Oh là là, surtout la priorité Warship, mais oh, ça enchaîne. J'ai un jeu en tête. On m'a envoyé une liste de jeux d'horreur, ça je te l'enverrai, j'en connaissais aucun à part Outlast, donc je me suis dit bah vas-y Outlast. Mais si t'as d'autres idées, dis-moi. Bref, en un mot, tu bosses pour une fois et arrête de lâcher les gaz. Ah là les gars, en ce moment ça bosse, hein. Hey, mes horaires, c'est n'importe quoi. Vous voulez mes horaires? Je vais vous donner mes horaires. J'ai travaillé hier de 22h à 10h30 du matin. À 11h du matin, je suis mort, je me suis dit, je vais me coucher. J'ai dormi de 11h du matin à 18h, n'importe quoi. Salut qui annonce mon arrivée 5 minutes après. Non mais Salut, elle est tout le temps en retard, elle. On rappelle également que dans Outlast, il y a de la nudité. Non. Ah ouais? Ah, c'est pour ça que Kitsen, il me l'a conseillé. On en apprend plus sur les goûts de Kitsen. Allez, on voit. Tu es aussi en cours parallèlement à YouTube. Je pourrais pas. Non, temps complet sur YouTube, ça passe. Bon, vous lui mettez combien sur 20 en horreur à Outlast? Si on dit 12 sur 20, c'est... Enfin, horreur, quand je dis horreur, c'est peur. 12 sur 20, c'est beaucoup ou pas? Ça fait plus peur que ça. Moi, je vous dis, ça fait peur. Je m'en vais, hein. Moi, il y a une streameuse qui est là, il y a Sarah. À tout moment, elle lance un live, on va sur son live, on regarde. C'est pareil, hein, ça me dérange pas. D'ailleurs, Sarah, j'ai regardé la rediffusion. Très déçu que tu ne sois pas allé au bout du jeu d'horreur à moitié bizarre là dans ta clinique. Pas Strikeable, je pense, elle était en Outlast. 15 sur 20. 15 sur 20? Je sais pas sur 20. Hein? Ah, moi, j'ai dit au-dessus de 14, 19,75 sur 20. Quoi? Tant que ça? Mais je me rends pas compte, en fait. Moi, je pensais que c'était un jeu cool. Chris Walker, il est stressant, on va dire. 0 sur 20. Oh, Fred, arrête de nous faire le bonhomme, le musclé derrière ton écran. Quand tu auras Chris Walker en face, tu changeras de sujet. Il est stressant, on va dire. Il est stressant. Bon, écoutez, on va le plus loin possible. Moi, ça fait trop peur. Voilà, il n'y a pas de souci. On va regarder.
On va regarder autre chose, hein, et puis voilà. Hein. Oui, je me suis dégonflé. Non, mais c'est vrai qu'il avait l'air un peu bizarre le jeu. En fait, j'ai l'impression qu'il faisait monter la pression dans ton jeu. La pression monte, 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 et au bout d'un moment, tu craques sans même avoir eu vraiment trop, trop peur, on va dire. Hâte de voir ton caleçon après le live. Aïe, ah, Chris, qui? Inconnu au bataillon Chris Walker, t'inquiète. On raconte que Chris Walker, il a eu un problème chez le dentiste, et que depuis, il est très énervé. Bref, bon, les gars, écoutez. Moi, ce que je vous propose, c'est que on est ensemble, on est 27. 27, c'est une bonne salle de classe. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, on est 27, et puis voilà, je compte sur vous pour être rassurant, donc ne pas me dire que je fais peur. Cross Walker, et il a qu'à marcher, Chris Walker. Il a un bâton dans le cul quand il court, apparemment. Bon, bref. Oh là, ouais, ça c'est ma tête quand je vois Chris Walker. Non, en vrai, de vrai... Oh, c'est moi. En vrai, de vrai, ça devrait aller, les gars. Ça devrait pas faire trop, trop peur. Voilà. Ça, je peux poster la liste de jeux à qui ça intéresse. Ouais, vas-y, tu peux même l'épingler si tu veux. Je te l'épingle si tu veux la liste. Ok, nous allons sur Steam, et nous allons lancer le jeu de... Oh là là, oh là là. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai vu, il y avait des trucs un peu bizarres dans le jeu. Hein. Ouais. Théma, 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 théma. C'est quoi sa vieille gueule? En vrai, le truc qui me rassure, moi. Psst. Mais c'est quoi ce mec-là? Le truc qui me rassure, c'est que les graphismes, ils ont l'air un petit peu vieux. Donc en vrai, je me suis dit, ça va. Ça doit pas faire si peur que ça, mais peut-être je me trompe. Mais le jeu. Oui, non, non, on va pas mettre le jeu, on va regarder un épisode avant. Ok, allez, let's go. On joue. On va voir Chris Walker. Dites-moi si la musique elle est forte ou pas. Est-ce que là on m'entend bien et la musique du jeu on l'entend bien ou moi je baisse le son hein, moi, alors, heureusement. D'ailleurs moi je joue jamais avec un casque juste pour ça, hein, c'est mort, avec un casque t'as encore plus peur. Je cherche actuellement un PC pour jouer à HW4 mais pas trop cher. Est-ce que HW4 peut tourner dans une Intel HD graphique? Ah ça je sais pas. OMG Outlast. Oh, Willkommen, Selina! Selina qui nous regarde d'Autriche, comment ça va? J'ai vu que tu l'avais acheté en plus Outlast, Selina. La musique elle est pas trop forte ou... Ah moi j'aime pas les jeux comme ça. Je crois qu'on va se casser les gars, on va reporter le live. Hein. En vrai je la baisse un petit peu la musique ou c'est bon pour tout le monde là? Hello, Viguette, comment ça va? Le son de la musique est bien. Oh, oula tu es prêt pour le jeu. Non non je suis pas prêt là. Nouvelle partie. Hein? Est-ce qu'on fait une roulette pour la difficulté? Ou est-ce qu'on fait un vote? Vous voulez un vote, une roulette ou on partira normal? On partira normal, moi. Ça peut être, on peut mettre une option sur normal, moi je pense. Psychose, vote. Non mais vote, non, pas vote. Vote, vous on sait très bien que bande de cinglés, vous allez me dire ça. Ok, on fait une roulette. On fait une roulette, pas de souci. Pas de souci, on prend notre destin en main. We'll decide. Allez, non, s'il te plaît, la roulette commence même pas à me troller. C'est quoi? Normal? Difficile? Difficile, horreur ou psychose. C'est ça? Ah, donc faut pas tomber, il faut tomber sur le jaune. Jaune ou blanc. Enfin, jaune ou blanc difficile. Inch'Allah, ça tombe sur psychose. Comment ça me marabouter, toi? Qui est normal est égal facile. Bon, qui me donne le top départ pour la roulette? Tiens, Dadamo, donne-moi le top départ pour la roulette. Et commence pas à me marabouter. Allez les gars, un petit normal, un petit normal. Surtout pas le bleu ou pas le blanc. Pas le bleu ou le blanc. 1, 2, 3, go. Allez, c'est Dadamo qui décide. Et Dadamo... Non! Non! Tu sors! Tu sors! Mais c'est... Hey! Wesh, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, ça m'arrive. À chaque fois que je demande un vote, à chaque fois qu'on fait une roulette, c'est toujours le pire truc. Dieu est grand. Il a fait une prière, l'enfoiré. À chaque fois qu'on fait une roulette, à chaque fois qu'on fait une roulette, c'est toujours pareil, je me tape la pire difficulté. Est-ce que les gars, y a, est-ce que y a, est-ce que j'ai les gars, j'ai, c'est comme dans Black Ops, j'ai l'atout, seconde chance. J'ai la carte de Joker. Encore un stream de la rage. Y a Sarge qui va pas réussir à s'endormir ce soir. Non mais frère, si c'est pour que je le voie, il me donne un coup de machette, on est mort. Il va me lancer des tomos. Chris Walker, il speedrun. Il a mis des Air Force One, il va plus vite. J'ai prié juste à voir si c'est pas la preuve que Dieu existe, putain. Ouais, j'aurais pas dû laisser le choix à un religieux. Allez, vas-y. Bon, on a dit normal du coup. Voilà, hein. On va voir les psychos. Non, mais vas-y. Les gars, tolérance, arbitrage vidéo, y a faute là. C'est jouable ou pas psycho? Parce que sinon ça sert à rien, hein, c'est pour que... Êtes-vous prêt à souffrir? Non, mais non, du coup non.
Indice, faut que tu cours vite. Non, c'est injouable, trop horreur. Respecte le hasard, même si on a trafiqué la roulette. On essaye une fois en psychose, non mais. Outlast contient des scènes de violence intense, du sang, du contenu graphique, d'ordre sexuel. Ah, oula. Vous incarnez Miles Earhart, un journaliste d'interrogation dont l'ambition va lui faire connaître l'enfer sur Terre. Ouais, non mais j'ai pas envie de lire en fait, c'est bon, plus je lis, moins j'ai envie de jouer. Ouais. On écoute du Jul. Mister Pact qui active le Prime! Ça c'est rassurant, cinquième mois de Prime! Merci à toi Mister Pact, t'as aidé, GG pour lui! Ouais, non mais déjà les gars, pause! Pause! Tu vas pas là-bas tout seul, tu ramènes une équipe, tu ramènes trois chiens, tu ramènes tout! Non mais moi je. Moi je vais t'en vouloir! Hein. Marina vient d'arriver, bonsoir à toi Marina! Éteins la lumière de ta chambre! On bascule en. Est-ce que vous voulez qu'on bascule en. Non! J'éteins toutes les lumières? Non, c'est un. Ah non, c'est injouable ça! Non 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 bah du coup non. Alors du coup non, voilà, on va mettre les LED les plus lumineuses possibles, on va partir sur du jaune. Oh putain. Non non non, comment ça éteint la lumière de ta chambre, trouillard? Jamais de la vie. Non, tu mets la LED rouge. Accepté. Ça c'est le chemin quand j'allais au collège les gars. On va demander à Cobra de te pranker dans. À tout moment il y a un Creepwalker qui met sa main derrière moi. En vrai de vrai, pour l'instant, ça va. On va attendre les renforts. Non mais Théma, son caméscope, il y a des piles, frère. Frère, un caméscope avec des piles, tu sais que ça pue la merde, déjà. J'ai fait une mission de semaine en tant que consultant logiciel sur un site de Murkoff Psychiatry System. J'ai signé une série d'accords pour confidentialité et que ça. Ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas. Ah bah on va y aller alors. Ah bah s'il se passe des choses terribles, on va y aller alors, logique hein. Ich, j'ai déjà peur. Non, pour l'instant ça va. Mais t'es mince ton caméscope, c'est le caméscope des pervers ça. Olé! Eh, Abaddonor qui a activé son prime pour son 9e mois. Eh, merci beaucoup à toi Abaddonor, 9 mois consécutifs. Ok, il y a un mode nuit. Là, je perds mes piles. Ok. Bien le bonjour, monsieur le ministre. Comment ça va? Mais sans chair de monsieur Freduc, train de la hype niveau 1. Bonsoir, monsieur Freduc. Les objectifs sont mis dans notre carnet. Bonsoir à tous, merci à ceux qui sont là. J'ai prédit 21h57. La mort. Non. En vrai, d'un côté, regardez, les gars, le ciel est plutôt pas mal. Wesh, attendez, non, qui a fermé les portes? T'as commencé sensible. Les gars. Pour combien d'euros vous achetez ma voiture rouge? Pour combien de budget vous êtes prêt à mettre pour avoir ça? En vrai, de vrai, 4 000 balles, ça va. Hein. Sarge, j'ai un questionnaire. Quel est ton métier? Je vends des voitures. Non, je chasse les fantômes sur Outlast. 27 000 balles? Moi, bah, je te la vends. 1 euro symbolique. Comment ça, 1 euro symbolique? C'est diesel, c'est boîte auto. 4 000. En vrai, 4 000, ça va. Hein. 10 points de chaîne max pour l'arrêter. Elle est stylée, la caisse. Bon, bref, là n'est pas la question. Moi je vais attendre là les gars, on va faire la FNAF. Non par contre les gars, je vous jure, la souris elle est trop sensible, ça me stresse. On a l'impression. Ouais, ok, je peux m'allonger. Non, la souris elle est trop sensible, je vous jure, c'est insupportable. Est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir la grille? T'es encore à la grille du collège. Ouvrez rapidement une porte, appuyez sur le bouton 4. Je sais pas où c'est le bouton 4. Pour lever votre caméscope, appuyez sur D. D comme filmer. Ah non, bah du coup, non, c'est pas D. Attends, F. G. T. U. Ah, on a les notes et les documents. Ok, faut trouver des preuves. Quoi? Non, mais par contre, là, je suis plus trop à l'aise. Hein. Bon, on va s'arrêter. Ton collège était vraiment sombre. Arrête. Hein. Sarah, y'a pas moyen, tu prends le live en main et on te regarde jouer. C'est mieux quand c'est toi qui joues. J'ai l'impression que tu joues mieux que moi. Non mais.
Wesh. Attends, y a un mec à l'étage, y a un mec à la fenêtre, hein. J'ai clairement vu un mec à la fenêtre. L'hôpital n'est pas... Ça, j'ai même pas trouvé la touche pour le caméscope. Ah, je l'ai. R comme rec. Rec filmé. Rentre dedans. Comment ça, rentre dedans? Bah non, on y va. Moi, j'appelle les flics, hein. Mais il est où, mon caméscope? R filmé. Nous avons une demande. Merci pour la demande d'amis. Venez avec moi. T'inquiète, ça, je relaxe. Non, mais là, la difficulté, elle est trop. Déjà, ça me stresse trop. Wesh, mais arrêtez de... Je suis hyper pas à l'aise. Comment ça pour courir? Comment ça? Déjà, si j'ai besoin de courir, c'est que il y a un truc qui est... Non, je suis pas... Non, j'y arrive pas. Là, je t'inquiète, c'est le novembre. Déjà, j'arrive même pas à trouver la touche de mon caméscope. Les gars, j'ai pas de caméscope, ça me stresse. Tu peux configurer les touches avant d'entrer dans l'asile. C'est un asile? Ah, j'aime pas. Là, on fait le tour des véhicules pour s'assurer qu'il n'y ait pas de présence suspecte. Mais j'ai pas envie d'entrer là-dedans, en fait. Et j'ai pas mon putain de caméscope, ça me stresse trop. Option. Graphisme, contrôle. Caméscope, bouton D. Bah j'appuie. Ah. Mais attends, mais D il me met sur le côté, c'est abruti. Non, c'est pas bon, bouton D. Caméscope, c'est pas... Ah non, c'est bouton. Attends, mais... Y a pas une touche qui est R, ça sert à quoi? Changer les piles, R. Bah caméscope, c'est C. C'est comme caméscope. Jour 1. Arrête, attends, les musiques, elles me stressent, il se passe rien. Il va faire une émote dans le monstre. Vas-y, on y va. Moi, j'ai juste joué loin du PC, en fait. Petit singe. S'il vous plaît, c'est pour la grille. Je suis pas dans les forces spéciales, moi. Ouais, tu as fait une vidéo comme en jouer la rue. J'ai l'impression à tout moment il y a un mec qui arrive par derrière. Non, mais en fait, je vous jure, c'est. Laissez-moi mettre en facile. Je porte mes couilles. Mais là, en psychose, je peux pas. Psychose, il y a un mec qui va me courser, c'est fini. La baraque a un petit peu un air d'asile d'Arkham, manquerait plus que ça. Fred, tu veux pas jouer au jeu et on te regarde? Mais juste, regardez, on fait quelques plans, on filme, voilà, c'est bon, j'ai des preuves, hein. Pense sur un malentendu, ça, tu meurs pas. Y a pas de malentendu. Après, non, je ne l'ai pas, franchement, il ne m'intéresse pas. Oui, bah oui, moi non plus, il m'intéresse pas. Wesh, non, j'avoue, c'est pas possible d'être peureux comme ça, hein. C'est un jeu, ça va. Chris? C'est le mec hyper discret. Ouvrez, c'est la presse! Faut que je monte à l'échelle là. J'ai jamais vu une seule vidéo sur le jeu, je sais pas comment ça marche, je connais rien. Il y a un gars à la fenêtre, quelle fenêtre? Non mais déjà, t'es mal peureux, 20 minutes pour entrer dans une maison. Il n'y a pas de facile psychose parce que Dieu l'a voulu. Pourquoi Dieu l'a voulu? J'arrive! Non, déjà... Déjà, pourquoi il y a une musique stressante? Je monte sur une échelle, il n'y a pas à avoir une musique stressante. Non, mais celle-là. Mais non, mais. T'es mal la musique! Il y a une grille qui vient dessous. Non. Retourne sur l'échafaudage. Non, il va y avoir un screamer. Vous connaissez, vous savez très bien que je vais me faire tuer.
Non, ouais, j'aime pas la musique. Au pire, attendez, au pire, moi je mets pas de son comme ça. Vous avez du son, moi j'ai pas de son. C'est bon? Allez, Serge. Non! Vous savez très bien, il va m'arriver une couillasse. Là, il se passe rien. Ouais! Moi j'ai confiance en aucun de vous. J'ai confiance en aucun de vous. Imaginez, il s'arrête là. C'est de la triche. Mais le son. Y a pas de son. Ton premier jeu d'horreur, Serge. Oui, je joue jamais au jeu d'horreur. Salut, Serge le BG, comment ça va? On rentre chez nous. Attends, mais en fait, je crois qu'il y a pas de musique, c'est encore pire. Petit rappel, là c'est plus 18 si vous êtes censé, ne regardez pas. Les gars, ça va faire peur, regardez. Mettez, fermez vos yeux. Mais imaginez, il y a un mec qui arrive, ça veut dire moi je l'entendrai même pas. Je me tirer une balle dans le pied comme un gueuche. C'est un tuto. Demain c'est mon anniversaire. Attends, je mets un tout petit peu de son. Ok, les gars, il se passe des choses bizarres. Enfin, ce mec qui filme dans là qui dit se passe des choses. Ender, on lui dit d'appuyer sur espace et il saute pour pas sauter. Mets-le à 100, mais non, non. Chris Walker! Est-ce que Sarah t'es toujours là? Y'a moyen tu me préviens quand ça va faire peur. Pourquoi tu fuis? Enfin, tu entends dans une pièce, y'a une lumière qui s'éteint, tu restes pas. Je suis une tapette, c'est abusé. Je ferme les yeux là, non mais. Même moi y'a un pervers là de l'autre côté, c'est sûr. Faut activer la caméra avec le night shift et tout là, mais. C'est-à-dire, va falloir courir, y'a un mec qui va nous. Non, je suis pas à l'aise. Hein. Oh. Là, je suis une tapette par contre, là vraiment j'assume que je suis une tapette. Hein. J'ose plus boire. Eh, hey, je suis une tapette. En plus, je suis en train de faire peur. En fait, comme le youtubeur, il est. Comme le streamer, il fait peur à tout le monde, bah tout le monde commence à avoir peur de ce truc de merde. On est 44. Non, j'avoue, je peux pas décevoir, il y a 44 personnes qui regardent. T'as grandi avec des mecs de cité, tu fuis pur ça. Mais les mecs de cité, ils sont pas comme des Chris Walker. Vas-y. Déjà la lumière elle marche pas, mais le caméscope et active ta lampe. Wow. Sinon vous ça va? Ça se passe bien? C'est sûr il y a un mec derrière la porte là, ça y est, ça fait trop longtemps il se passe rien. T'es mort, en plus je suis en train de viser toutes mes piles. Laisse la lampe éteinte comme ça tu verras pas c'est qui fait l'heure. Non mais moi je regarde pas, je veux pas avoir peur. Non y'a un pervers c'est sûr. Oh là là, je suis une tapette. On aurait dû commencer plus soft avec un FNAF ou un truc comme ça mais... Mais bordel, rentre. Imaginez derrière le rideau, le pervers. Est-ce que moi je peux me cacher derrière un rideau? En vrai, ça me rassure un peu plus, il fait jour. Mais il y a rien, Sarge la tapette, mais vraiment. Sarge, t'as bien vécu le Vietnam et t'as peur de ça. Non, là, j'avoue, ça m'a pas fait peur, par contre. Mon père, où faut-il aller? Bon, on sait pas. Oui, tu n'aimes pas trop certains mots, Serge Chef, fais gaffe. Hein. J'ai dit quoi comme mot?
C'est Lucini qui s'est reconverti MDR, non pas toi. Ah mais au pire on arrive jusque là, ça va. Hein. Tapette et tout, ils sont pas fans. Ah ouais? Bon, en vrai, je pense que ça va, ça va. Non, il y a du sang et tout, il y a un mec, il est mort, ça veut dire. Bon, voilà, on avait assez de preuves, regardez. Hop, vous voulez des preuves qu'il y a eu un crime ici? Pas de soucis, charmant caméscope. Hop, tache de sang. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et voilà, enfin, j'ai des preuves. Courir un peu partout dans la maison. Moi, je veux bien courir, mais je ferme les yeux. Hein. Non, mais en fait, je vous jure, la difficulté me dérange trop, ça veut dire, je vois un mec qui va me buter. On est en psychose, c'est sûr, on va mourir. Allez, c'est bon, enquête close. Ah, fin de l'enquête, Sarah, on a les preuves. Hein. Est-ce que, Sarah, tu connais le jeu ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tu peux un petit peu me prévenir quand ça pue? On prend le disque dur. On prend les sauvegardes. À mon avis, tu as assez de preuves. Là, j'ai assez de preuves. Hein. J'ai fait le jeu perso. Ok, est-ce que quelqu'un peut me dire? Oui, mais ce serait du spoil. Oui, mais entre le spoil et ma santé... Vous savez très bien. Vous savez très bien. Vous savez très bien que je vais me faire enculer. Et ça fait rire tout le monde sauf moi. Voilà, preuve. Mais la porte se ferme pas toute seule. Non, non, là y a rien. Oui, non, y a rien. La porte s'est fermée toute seule, tu sais, c'est un système très innovant. On est là pour ça. Alors, ça fait... T'as un amuse. Non, ok, vas-y. Mais je vous jure, la difficulté me dérange trop. Il y a un mec dans les toilettes. On va y aller. Je pense que la difficulté n'a pas juste le nombre de coups que tu peux prendre. Ok. Ah mais attends, les canalisations elles sont où? Oh, il y a un mec là-dedans. Il y a un mec dans les canalisations, ça a bougé. Il est là-dedans. Preuve. Il y a un mec. Source, t'inquiète. Mais pourquoi ça saigne comme ça? Il y a un cadavre au-dessus. Passe par l'aération. Non, 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 il y a un mec dans l'aération. Moi, je veux aller là. Nique ta mère. Ah bah non, bah tiens. Ah bah comme par hasard, tiens. Ah bah tiens, le seul chemin d'accès, il y a le père vers dedans. Non, non, il y a son père. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. En fait, la technique quand j'ai peur, les gars, c'est vraiment que je vois flou comme si j'étais myope. Le courage légendaire de ça. On va aller à la librairie. Ah, ça va pas, non? On est là pour lire des livres. Regardez mon 11 personnage ici. Enlève-toi. Ah non mais stop la musique, ça y est! On veut te voir paniquer. Ah, j'étais déjà pas bien là. Allez, là vous avez vos images, j'ai fait un arrêt cardiaque. Oh,
Ma combi de plongée. C'est pas. Je suis un jeu de rat égale prime de l'humour. Ah, je suis pas à l'aise. Hein. Moi, je mets ma combi de plongée. Avec ma casquette de sécurité, je peux faire le chef. Frère, j'assume pas du tout. Hein. En bas, y'a quelqu'un, non? Ouais, y'a un mec au centre là. Est-ce que. Monsieur Walker, nous venons apporter vos médicaments. Le problème, c'est qu'on a pas d'itinéraire de fuite si ça pue. Oh, non. En vrai, je pense, peut-être quand t'es deux, ça va mieux le jeu. Mais quand t'es tout seul, moi, je suis pas à l'aise. Hein. Entre. Ok, j'entre, fermez tous les yeux dans 3, 2, 1. On va y aller avec le caméscope. Voilà. Oh, c'est pas là. C'est pas glitch. T'as très bien vu qu'il y a rien. Oui, j'ai vu qu'il y a rien, mais c'est après qui me fait peur. Regarde quand c'est. C'est sombre. Préviens quand tu peux réouvrir les yeux. Quand on peut réouvrir les yeux. Ok, attendez. Au pire, là, on fait tous ceux qui ont peur. J'allais dire moi aussi. Je suis con, moi je joue, je peux pas fermer les yeux. Fermez les yeux maintenant et j'avance un petit peu. Ok, non, il y a juste des cadavres. Je vous dis ce qui se passe pour ceux qui ont peur. En vrai, vous faites pas peur pour rien, les gars, comme moi. Là, pour l'instant, il y a juste des cadavres, j'avance. Il y a pas de. Ok, j'ai juste tapé dans un cadavre, j'avance dans les livres. Ça fait pas trop peur, il y a pas de mec. Non, mais c'est sûr, il va rien gars. Ok, là, on est. Il y a un labyrinthe dans la bibliothèque. Casse les couilles. Il y a un mec qui pleure. Non, c'est bon, il y a rien. On va pouvoir ouvrir les yeux. Oh, il y a Chris Walker. Il y a Chris Walker. Ok, pour ouvrir les yeux, ça va, il fait pas trop peur. Il y a juste Chris Walker qui vient de passer. Il y a le gros là. Et là le... je te comprends tellement pété d'air. Oh. Ah non, mais vraiment. Oh là là. Il y a du ragdoll en plus, GG. D'épines. Attends, y a Chris Walker qui vient de passer, ce gros là. Chris Walker, il me fait pas trop peur. Parce que j'ai l'habitude de Chris Walker sur Gmod qui court comme un demeuré. Il est entré dans une pièce. Chris Walker, il est entré dans cette pièce là. J'ai deux témoins. Lui et lui. Ah, y'a Tom Hanks. Donc là, Chris Walker, il est entré là. Bon, Chris, on va vous apporter les médicaments. Bon, il veut pas. Imaginez, mais j'écharpe par derrière. Oh non, j'avoue, j'aurais peur. Ouvre les portes lentement. Chris Walker, c'est juste un gros, il va pas te faire peur. Oussama Amar, il va... Oussama Amar. Non, t'as vu, t'abuses, toi. Little fake. Affronte-le. And who are you then? Oula. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Je crois que c'était obligatoire, les gars. Oh putain! Ok, c'était obligatoire qu'il se passe ça. Le problème, c'est que Chris Walker, il m'a lancé comme un. Comme un caillou! Parce que je m'appelle Pierre. LOL! Non, mais là. Que s'est-il passé? Faites-nous un rapport, monsieur. Non, en vrai, ça va. Il m'a pas fait trop peur, Chris Walker, parce que ça se voit, c'était scripté. Mais ce qui est scripté, ça me dérange pas. Ce qui est pas scripté, ça me dérange. C'est bon, c'est mon anniversaire. Non, quel âge, Sarge le BG? Ok, faut quitter l'asile. Le problème, c'est que là, on va se faire courser par ce gros-là. C'est le sergent Garcia. Ok. En vrai, ça va. Moi, Caillou, j'aurais dit un papier. Au moins, t'es pas fini comme le mec sur son siège. Ouais, j'avoue, j'ai... Le chauve, il a eu... Ok. À mon avis, là, ça va partir en poursuite, de faire se cacher.
Après, vu son poids, tu cours un peu et c'est bon. Ouais, je pense que Chris Walker, en vrai, devrait pas être si rapide. Je sais même pas, il a quoi, Chris Walker? Il a son rendez-vous chez le dentiste, il s'est mal passé, il en veut au monde entier. Ça va pas, non? Dégradation de le public. Mais... Ça, c'est quoi le jeu? C'est Outlast et on est pas très à l'aise, là. Mais en plus, ça me serait, je vois le compteur d'abonnés. Plus j'avance, plus il augmente, plus je fais rien, plus il diminue. C'est-à-dire, je suis obligé d'avancer. Non. Oh bah. Vous voyez pourquoi faut pas déboucher les chiottes à la main. Remember quand tu m'as raid, j'étais sur ce jeu. Ah! T'étais sur celui-là, mais toi t'étais en extérieur avec ton caméscope, je m'en souviens. Tu l'as fini ou pas? Ouais, il y a du jus de fraise par terre. Il est mort comme un roi sur le trône. Le mot était pas mal celle-là. À tout moment, il y en a, il se lève. Oh putain, c'était une trace de sang, j'ai... Bon... Il est horrible. Oui, fini, il est horrible. T'avais fait quelle difficulté quand tu l'avais fait? Moi, je vous conseille d'aller voir Sarah pour tous les jeux horreurs. Elle est spécialisée là-dedans. C'est beaucoup mieux qu'un trouillard qui arrive pas à faire 10 mètres en 20 minutes. Ah non, mais mon cœur, il est pas... Il est... En fait, il est pas... Il fait pas trop peur. Il est stressant. Dans le pire des cas, Oussama, il va te vendre une formation ou un développement personnel. Moi, il me stresse beaucoup, mais il me fait pas trop peur. On sait qu'il y a un connard là-dedans. J'aimerais bien que le mec... Difficulté normale. Non, mais t'as raison, faut vraiment être... Mais moi, enfin, ouais, ce qui me saoule dans ce genre de truc, tu sais qu'il y a un truc. Ah. Yes, on a des documents. J'ai des preuves. Mes notes. Non, c'est pas ça. J, journal. Hey. Alors nous avançons dans l'enquête en l'attente d'un rapport complet. Aucune action n'est requise de la part de Monsieur Murkoff Corps. Les profits potentiels du projet Wild Reader demeurent extraordinairement élevés. Les 4 cas de décès présentent des éléments suffisamment ambigus en tant un quelconque recours. Ouais, ok, ils ont fait un truc de merde. Bon, on prend. En vrai, j'ai mes documents. Appel à la garde nationale, un hélico. Ah ouais, mais moi j'encercle le périmètre. Hein. Un truc comme ça, j'encercle le périmètre. Imagine que toute la cité regarde le live, t'avances ou pas? Ah, y'a qu'à y avoir toute la cité, y'a qu'à y avoir mon père, mon frère, qui tu veux, j'avance pas. Nuke l'asile, ah mais vraiment, DNA direct. Moi je suis dans une discrétion, en plus t'as peur. Et y'a un mec là-bas. Il est mort lui ou pas? Demande à Cobra de venir, je sais même pas s'il le ferait, je jure. Il y a beaucoup de portes fermées, c'est bien parce que le jeu il t'amène pas n'importe où non plus. Je pense qu'il faut qu'on aille à la cave. What, il vole. Ça change de Heart of Iron 4, hein, moi je suis pas à l'aise. Hein. Perso, j'aurais. Là, franchement, les gars, entre 0 et 10, votre niveau de peur il est à combien? De tout ce qu'on a vu là, entre 0 et 10, franchement. Moi je mettrais un 7. Parce que vraiment je passe 8-9, j'avance plus. 0-0-0. Quoi? Quoi? 4? 5? Mais en fait, y'a que moi qui a peur. La petite douche de Chris Walker. Y'a un mec qui est aux toilettes au-dessus. Ça fuit, mais y'a un mec qui prend une douche en bas. Pauvre Sarge pendant un streamer. Ah bah il est plus là. Faut pas gratter les boules devant le live, c'est un coup à les serrer de stress. Faut pas gratter les boules devant le live, hein. En vrai, y'a que moi qui a peur, c'est aberrant. En fait, vraiment, ça me rassure quand vous dites que vous avez pas peur, c'est-à-dire c'est moi la tapette. Mais en même temps, c'est moi qui joue, donc...
C'est pas la même ambiance de jouer, de regarder. Nous, on est juste là pour te voir avoir peur. Ouais, je sais, mais. Regarde une vidéo de Veld Up, on va voir si t'as peur. De Veld Up, je me suis parti 5000, qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, pour l'instant, ça va. Regardez là, je commence à réussir à avancer un peu plus vite qu'avant. Oh, y'a un gun. On a une pile. Bonsoir patron, c'est le chat. Salut Dark Shigo, comment ça va? Dark Shigo, veux-tu venir me voir à l'asile? Non mais pas moi personnellement, mais wow. Avant, j'ai l'impression que ma maison est... que c'est ma maison au bled, le sang. Maison au bled. Regarde, attends, je suis désolé. Voilà, on a des preuves. Sorge qui confond un gun et une pile. Oh, si tu finis en asile, je t'accueillerai. Oh. Merci, tu es un brave. Nous avons une demande d'amis. En vrai, de vrai, ça va. Là, je commence à être un peu à l'aise dans le manoir. Et... c'est trop bizarre qu'il y ait autant de monde dans le manoir et qu'il se passe rien ici. Eh oh, les gars, je suis là, je fais le con, you. Je vais me chercher. Et là, il y a un mec qui arrive. Non. Comment faire pour avoir des points de chaîne? Il suffit de regarder le live, réussir les bonnes prédictions. Et puis voilà. Wesh, doucement avec la porte. On cherche les preuves. Ah, c'est bon, il va... ça fait trop longtemps, il n'y a pas eu un mec. Là, c'est sûr, il va falloir se cacher, genre là. Ouais. Putain, j'ai eu peur, je sais. La musique de Noël pour le mec en fauteuil roulant. Merci Dark Shigo. Merci Dark Shigo pour l'abonnement offert à BHL7. What the fuck, allez, lui, regardez, il bouge, il est pas mort, arrête, t'as rien. Puis ça se voit, il voulait pas faire EPS quand il était jeune, il faisait semblant d'être malade. Pourquoi il bouge le ref, je sais pas, il a une crise. Genre, le 80, le Dark Shigo vient d'arriver, mince, la musique fait pas peur. Ah si, il est pas bien lui. Quelqu'un veut pas le soigner? Appelle le 15, non, il a une bonne mine, ouais. Est-ce que vous voulez témoigner de ce qui s'est passé? On dirait le cousin de Voldemort, un peu. Ah, je crois que l'opération, ça s'est mal passé, hein. Oh, les refs. Il n'y a rien qui va. Y'a rien qui va, pourquoi? S'il m'attaque, moi je peux rien faire. Mais oui, non, mais à tout moment il se lève, lui il se lève, il va t'enculer. C'est quoi ce mec là? Tu ne fais rien du tout. Mais moi je veux un gun, hein. Moi je sortais moins glauque et on règle ça. Il a le vaccin contre le Covid. Prends une arme. Mais y a pas... j'ai pas d'arme, j'ai que ma caméra. T'es mal pistolet. Et un film. J'ai l'impression en fait mon seul ennemi c'est un peu monsieur Chris Walker. Ah, la carte de sécurité, bien! Mon carnet, on a des documents. Voilà, c'est en là, ok. Et on a des notes. Ah, il est super. En vrai, ça va, je commence à être un peu plus à l'aise avec le jeu, mais... T'as pas une voie d'extraction par la fenêtre? Ah, mais moi, je brise la fenêtre et on se taille, hein. Enfin...
Avec l'inventaire à ça, j'ai un screamer toutes les 4 heures. Ouais, mais je... Imaginez, ils ont bougé les refs. Bon, je prends la carte, les gars, je vous laisse là. Regardez le match sur Beansport. Mais tu parlais pas tout à l'heure, laisse-moi. Mais je suis mort, non. Nique ta race, toi. Hey, Jet Stream FX qui vient de s'abonner. Merci beaucoup. Je croyais qu'il avait juste de l'asthme, moi. Et je comprends pas ce genre de mec. Le mec, il doit te faire peur avant de mourir. C'est quoi son délire, là? Allez, moi, je me casse. On est chez les fous, ici. On est chez les fous. En même temps, on est à l'asile. LOL. En courant, vous pouvez jeter un deuil. Merci, tu t'es fait agresser par un fou. Mais barrage d'artillerie, on n'en parle plus. Mais vraiment, merci à toi, Jeffix, en tout cas, de nous avoir rejoint. Allez, c'est bon, j'ai la carte. J'ai la carte Kiwi, mais non, mais merde. Merci aux 48 qui sont là, les gars, ça fait plaisir. Allez, c'est bon, on commence à accélérer un petit peu. On n'a pas toute la nuit. Un coup sur deux, il y en a qui se lèvent. Allez, j'ai la carte de sécurité. Hop, je suis du bas de 7. Merci beaucoup. Voilà, ici c'est tranquille, c'est safe. Hop là! Et je ferme la porte. Alors maintenant c'est FNAF, le bail. Ah! Des documents, non? Ah, on a toutes les caméras. Ok, on peut se cacher dans les placards qui sont ici. On retient ça. Les docs, je peux les prendre ou pas? Merde, je pensais. Ah, bien! Quoi? Ah, moi je regarde juste les caméras sur le côté. Hein. Oh oh oh! Oh non, bah non, bah ok, bah j'arrête. Hein. Le gros walker. Oui, il se déplace comme dans Gmod. Il y a Chris Walker. Il va regarder ses mails. Non, tu sais pas que je suis là. J'ai impossible. Imaginez, j'ai Charles Casier. Non, tu m'as pas vu. Arrête, c'est bon. Retiens ta respi. Je vais retenir ma respiration, je trouve. Eh là, le Chris Walker! C'est intruder le bail. En vrai, on a bien géré. Hein. Walker! Je vais dire que je cherchais. Moi. Il faut que tu avances plus vite. Foot yellow, si t'avances pas plus vite, ça passe au rouge. Salut, je vais que passer ça, je courage à toi. Non mais là je crois qu'on est déjà allé pas mal loin les gars, en vrai ça va. Hein. On a eu la dose là pour la soirée, on est pas mal, on est combien? On est 45. À tout moment Chris Walker il pète une porte et il est là. On retient juste un truc, on a un problème, casier. Bon je vais me coucher, ça y est, après les heures que j'ai vu, bonne fin de live. En bref, non, on s'arrête là. Hein. J'ai juste essayé de faire sortir Chris Walker. Salut tout le monde. Hey Christophe, bonsoir à toi. T'as l'autre, il m'a niqué mon dataset. Et la porte de sécurité, oh, elle a coûté 4000 balles. Sarge, tu peux ouvrir les portes lentement. C'est mieux d'ouvrir les portes lentement ou pas?
Le problème, c'est qu'on va se taper des Chris Walker à chaque fois maintenant. T'as pas encore fait plus un ton froid qu'on est pas loin. Oh mais c'est bon, on va pas passer notre nuit à faire ça. Hein. Là, je suis pas à l'aise avec ce jeu. Hein. Non mais vraiment là je pense qu'on a déjà fait pas mal. Hein. Et je suis à combien de pourcentage d'avoir fini le jeu? Réellement 2-3%, non. J'attends qu'il se chie dessus pour clip. Non mais au pire je cours, mais les gars je peux pas, vraiment, je peux pas faire mieux, tout le monde voudrait que j'avance à fond et tout, mais... Ma caméra, j'ai même plus de piles. Moi je veux bien courir hein, mais ça sert à rien. Oh ok il est ici. Jamais y arriver. Avance plus vite, merde, mais je veux bien avancer plus vite, mais on va se faire tuer. Hein. Vous voulez que je speedrun à mort? Tout le monde veut que je cours. Vous voulez vraiment que je cours? Genre, je tape une piquette. Who's there? C'est trop stressant pour moi. Faut que je change mes piles. J'avais une touche pour changer mes piles, je sais plus ce que c'était. Murkla Seiya, homicide sous hypnose. Tiens. Ok, donc il y a bien des gars qui sont hypnotisés, de ce que je comprends. C'est quoi ma touche pour mettre les piles? Ah, j'ai utilisé ma touche pour mettre les piles. Oh là 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 là. Pivoter, s'accroupir, caméscope. Comment on met des piles? Changer piles, R, reload. Ok, je cadrerai le périmètre rapidement. Ok, il y a encore deux portes à ouvrir. Casier, je peux me cacher dedans. Ok, on retient les gars, il y a un casier. Il y a un casier où je peux me cacher ici. En vrai, t'inquiète, Chris Walker est gras. Il est vraiment gras. On a encore 48.
Il y a un casier, je peux me cacher ici. C'est-à-dire, s'il y a un problème, on va dans les casiers. Ok, je vais avec les caméscopes. Mais wesh frère, mais il speedrun. Il speedrun. Putain, je voulais faire le tour et me cacher dans le casier. Non. Il speedrun, putain, je pensais pas qu'il me courait aussi vite. Oh non, les gars. Non, j'ai pas eu peur, j'ai pas eu peur, mais il a speedrun. Non, mais là, les gars, c'était trop stressant. C'était trop stressant. Il a mis une feinte de rugby. J'aurais pas dû me retourner, j'aurais dû tracer et aller directement là-bas. Non, mais attendez. Il courait trop vite, le mec. En vrai, si vous êtes chaud, on est combien? On est 44. Si vous voulez vraiment que je le finisse, on le recommence. On recommence, mais on le met en normal. Et je vous le speedrun. Et là, vraiment, on avance, on est efficace. Mais la psychose, non, c'est un jeu. Pour moi, je stresse trop à l'idée de prendre un dégât et de mourir comme ça. Là, en plus, on recommence depuis le début. C'est Reznov. Je veux te voir continuer à jouer en me levant. Psychose. Non, psychose, j'y arriverai pas. Je vais me faire one shot à chaque fois. Ou alors, tu vas finir vers 2-3 heures. Moi, on a essayé en psychose, voilà, c'est pas passé. On a respecté la roulette au moins. Mais on le met en normal et on court. Ouais, j'ai jamais fait des jeux d'horreur, là je suis pas à l'aise à l'idée de battre des mobs et tout. En vrai, je peux vous speedrun, je pense, maintenant, beaucoup plus rapidement. On le met en normal et j'essaie de le speedrun beaucoup plus rapidement, comme ça on progresse dans le jeu. Ou difficile alors minimum. Mais le jeu est long, ça, je pense pas que tu puisses le faire du premier coup. Sur le coup, tu as croisé celui qui servait de ma grand-mère. De ta grand-mère? Quoi? Celui-ci me servait de ma grand-mère. Je joue pas en normal, la difficulté au-dessus, c'est normal, c'est l'équivalent de facile. Sans déconner, j'avais fini psychose, mais à la fin, je tremblais comme pas possible. Du coup, c'est une soirée horreur. Ah, c'était l'idée, en tout cas. Je sais pas, Sarah, t'es toujours là ou pas? Est-ce que t'avais vraiment galéré en normal ou pas? Sinon, on le fait en normal, en vrai, les gars. Ça sert à rien de se donner du challenge. Si on est même pas foutu d'avancer en 20 minutes, hein, voyez. Vous avez vu comment j'étais constipé, les gars, c'était sûr. Hein. Bah, l'espèce de monstre qui t'a buté avec sa vieille machette de merde, là... Putain, le seum. En vrai, j'aurais pu. Je voulais me cacher derrière les casiers, faire le tour et me cacher derrière les casiers, mais j'ai pas réussi. Sinon, fais du FNAF. Même FNAF, je suis pas trop à l'aise en vrai. Merde, je crois que Sarah, elle est plus là. Bon, et bah, on essaie en normal et on le court. En vrai, en normal, je pense que je peux tracer. Mais j'avoue qu'il est quand même assez. En fait, je dirais pas qu'il fait peur parce que le jeu, il est quand même assez vieux. Mais le jeu dure environ 7 heures, Sarge. Quoi? 7 heures pour finir l'asile? What? C'est vrai qu'il est quand même pas mal stressant. FNAF, j'aime pas, ça me fait pas perdre du tout. En vrai, c'est juste stressant. Ouais, FNAF, c'est stressant. Il est quelle heure? Il est 22h38. Peut-être un petit peu tard pour finir le live, mais... Enfin, un petit peu tôt pour finir le live. Soit on change de jeu, soit je veux bien essayer de le speedrun, mais en facile. Enfin, en normal. Prends un iceberg, ça lui fera trop peur. Moi, je propose Phasmophobia, c'est des sessions de chasse aux fantômes, c'est plus court. Ouais, franchement, Phasmophobia, il fait pas trop peur, mais je sais pas si je l'ai encore installé. FNAF, faudrait que je l'installe aussi. Salutations, sinon on fait un sondage. Est-ce que Phasmophobia, je crois pas que je l'ai installé, je sais pas si on peut voir. Ah ouais, non, mais là, Chris Walker, il m'a... Moi, je vous dis, j'ai pu le voir sur Gmod, ça. Sinon, on peut continuer la soirée d'horreur, tu fais le mode poireau. Ouais, ça va partir... Sinon, on fait un zombie sur Black Ops, hein. Moi, ça me va. Un petit zombie sur BO3, vague 50. On n'en parle plus, hein. Là, c'est un sondage parmi les vraies horreurs. Ah, moi, sinon, je vous fais Black Ops 3, zombie. Ça va à tout le monde ou pas? On fait un sondage. Au pire, on fait un sondage. Attends, on va faire un sondage. Merde, je sais pas si je peux... putain, je suis coincé dans le jeu. Oh putain, t'es vraiment coincé dans le jeu, quoi. Tu peux pas fermer la fenêtre. C'est une ville de cinglés. Mais en vrai, franchement, le jeu, il est quand même sympa, hein.
Il est quand même sympa, il y en a beaucoup qui ont fini, je suis chaud pour un zombie, là, ça y est, Negan s'est réveillé. Sinon, il y a Gmod aussi. Gmod SCP. Ah, c'est le truc d'horreur sur Gmod, c'est ça? Bon, à la limite, on fait ça. Hein. Ou Backroom. Ok, vas-y, on va faire un sondage. On va faire un sondage. C'est quoi Wishlerboard, c'est quoi ça? Ah, c'est les DLC? Oh! Hey Brolac qui envoie 5€! Merci Brolac pour, les 5€, ça fait plaisir! Le chat DGG à Brolac! Brolac, oh, merci! C'est pour financer les nouvelles dents! Super sympa! Voici ton message, go un autre psychose! Un autre psychose! Ah non, merci! C'est pour financer la dentition de Chris Walker! Merci beaucoup Brolac! DGG à lui en tout cas! Bon, on va faire un sondage le chat! Je vais pas mettre le crédit moi. Oh là 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 là, non, psychose, rien qu'à... C'est le psychose qui a niqué ma game. Hein. Ça remet l'alerte une deuxième fois. Alors. Brolac 5€. Alors, suite horreur. Disco disco. Brolac, merci pour ton don, c'est super sympa. Voici ton message pour un autre psychose. Gmod horreur là, il y avait des maps horreur sur Gmod. Outlast. En normal, en vrai de vrai, je commence à m'habituer aux jeux d'horreur, ça va un petit peu mieux. Sinon chaud, Negan et Serge, vous faites le match retour. On l'a fait le match retour, on l'a fait. C'était, il va arriver en vidéo, il devrait sortir prochainement. Il était ah quoi. Et qu'est-ce que je veux dire d'ailleurs, demain les gars, pour tous ceux que ça intéresse, il y a la partie 2 du RP sur Total War qui sort. Match retour MDR, ouais. Kartik Fan. Alors, Gmod Horreur, Outlast en normal, il y avait quoi qui a été proposé, FNAF. Et, ou alors, allez, un petit BO3 zombie, si vous voulez un petit record de vague. Allez, je vais se voter, les gars. On peut décider de la fin de la soirée. 2 minutes de sondage. Ah, mais j'ai le seum. Ah, j'ai le seum quand même, en vrai. On aurait pu aller plus loin. Mais ouais, non, le jeu était quand même... Je l'ai un peu sous-estimé, je crois, le jeu. J'aurais pas cru qu'il me ferait aussi peur. Aïe. Hâte de voir la partie 2. La partie 2, sincèrement, je sais qu'elle est encore plus drôle que la 1, je pense. Je me suis vraiment amusé à la tourner. Allez, j'ai réinstallé Total War Empire, vu que je te vois souvent y jouer. Ah non, mais j'adore Empire Total War, mais c'est mon coup de cœur. Hein. Ah, mais vas-y, j'ai le seum pour Outlast, là. Aïe. En vrai, j'avoue que même moi, je suis chaud pour y rejouer, mais pas avec la même difficulté, quoi, parce que sinon, je vais me faire rien niquer la forme du sondage. Alors, pour l'instant, c'est FNAF qui gagne. BO3 en deuxième position. Outlast qui remonte. Gmod, personne. Ok. En vrai, de vrai, les 4 me vont. Par contre, avec la Prusse, je me fais poutrer par l'Autriche. Ouais, la Prusse, c'est l'un des plus durs à jouer, parce que t'es vraiment encerclé. Hein. Ça dépend quel FNAF. Bah, je pense que c'est FNAF 1. En vrai, FNAF 1, il fait quand même déjà assez peur. Hein. Ah, avec les... En plus, j'étais le voir au cinéma, FNAF, ça, c'était assez intéressant. Putain, ça part sur du FNAF. Oh là là. Tu conseilles qui à jouer quand tu débutes sur Empire? La France, j'aime beaucoup. Si tu veux vraiment faire une World Conquest, les Pays-Bas, ça peut être sympa. Les Polonais, il y a du défi. J'ai ma chère coiffeuse blonde en plus qui est passée à domicile pour couper à domicile et ça a fini blabla pendant 2 heures et McDo. Ah ouais? Ah, tu fais des McDo avec la coiffeuse, Christophe? J'ai cru au début t'allais faire un clash sur la coupe de cheveux, je me suis dit oh là là. Mais non, la prise c'est facile, faut tenir quoi. Ok, alors il faut que j'installe FNAF. Et je crois que je l'ai pas installé, monsieur FNAF. Mais ce Chris Walker de merde. Tiens, pendant 1 heure on a fait 1% du jeu. Oh là là. Ah super, j'ai débloqué une image de mon assassin. Bon. FNAF, il est où FNAF. Quoi, j'ai pas sur mon PC FNAF. CDE. Bon. Attendez, j'avais déjà fait FNAF. J'avais déjà joué à FNAF, je suis pas débile. 9.
Bah, quelqu'un le voit, FNAF ou pas? Blast. Oh non, non, bah. Je l'avais pas, FNAF. Ah bah si. Un bruitier de Freddy là. Oh, avec sa vieille tête, elle. Jouer maintenant. Il prend combien? Il prend 200 MO, ça va aller vite. Chica et Bonnie. Le sexe with Hitler qui est toujours là. Il est toujours là. Vous êtes allé voir ou pas? Ah ouais, je l'aime pas. Chica, je trouve c'est la plus flippante. La vache, les disques durs sont pleins. Ah, les disques durs, là, ça déborde. Hein. Bon, let's go FNAF, les gars. Go faire du Resident Evil. Oh. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, c'est une soirée FNAF. On fait un virage, les gars. Disney. Alors, déjà... Déjà, on va baisser le son. Le volume, chef. Avec une security guard, oui. De minuit à 6h du matin. On fait tous les FNAF ce soir. Attends, mais. Ça commence pas là. Graphisme, les gars, il pique les yeux. Merde, attends, je fais quoi? J'appuie sur échappe. Ça a quitté le jeu? Je voulais juste baisser le son. What? Jure, ça a quitté le jeu? Je voulais juste baisser le son. J'étais pas en plein écran? Le jeu fait sur scratch. Je peux pas, en fait, je peux pas régler les paramètres, c'est qui est un peu gênant. Qui refuse de monter quand t'es en plein jeu, ce scratch, attendez. On a un petit problème en gros, c'est qu'il se met pas en plein écran, c'est ça? Le son est fort. Ouais, le son il est super fort. Alors, le son est fort et le jeu est pas en plein écran. Mais y a pas de paramètres, ça me stresse. Tu vois, quand je fais échappe, ça quitte le jeu. Attends, deux secondes, je crois qu'on va appeler. On va appeler l'assistant Cobra. Je reviens une petite seconde, les gars. Oui. Je vais demander, je vais demander, je vais demander, je vais demander. On est 42. Je reviens dans une minute, les gars. Je vous laisse avec Freddy. Bon, j'avoue, je vous ai laissé un écran et c'est n'importe quoi. Excusez-moi, mais voilà. En fait, le problème, c'est que il dit surtout va coiffer Sarge par pitié. En fait, le problème qu'on a, les gars, c'est que comme FNAF, c'est un vieux jeu et il est pas optimisé pour le 1920 là, fois 1080. Ah, ok, c'est la musique. Je sais pas comment on le met en plein écran. Il faudrait peut-être dans les paramètres du jeu ou je sais pas. Il faut voir le fichier du jeu si je peux au niveau de la résolution. Il est où, il est où, il est où. Parce qu'en plus son son il est super fort, c'est n'importe quoi. Genre, c'est quoi le jeu de merde? T'as même pas un menu. Enfin non, c'est un bon jeu, mais fichier.
Il est où? Parcourir. Ouais. On va voir dans les propriétés, les gars. En fait, il faudrait juste voir. Non, c'est pas là, c'était. Oh, je sais même plus où c'est. Fait Alt Entrée, il me semble, ça passe un full screen. Alt Entrée. La nouvelle version de FNAF. Jamais compris l'engouement autour de ce jeu. Par contre, la musique, elle risque d'être super forte, les gars. Il semblait que de base, il y avait un menu pour ce jeu. Puis on s'en fout du plein écran, je baisse le son. Ouais, je baisse le son du jeu au pire. Créer un menu, boys. Alt Entrée. Comme ça, et je mets un fond noir. Je baisse le son qui est super fort du jeu. Attendez, c'est où le son du jeu? Il est là. Je vais prendre une photo pour pas me perdre. Sinon, fait Alt F4, ça marche bien. La bonne blague. Ok, je vais baisser le son du jeu super bas. Normalement, ça devrait pas être trop fort pour vous. Je vais mettre un fond noir derrière et on va faire comme ça. On va faire comme ça. Attendez. Tu peux partir, Freddy? Des petites secondes, j'arrive. Allez. Voilà, c'est ça. On va faire ça comme ça. Il est où? Le truc qui me respecte pas. J'ai un fond d'écran noir, il ne veut pas s'afficher. Merde. Ok, attendez. Attendez. Ok, je le mets comme ça, le jeu c'est bon ou pas? Si je le joue comme ça, c'est bon ou pas? Non, zoom le jeu extreme lab. Ah ouais, pas bête! Attends. Putain, j'ai Freddy qui me stresse là devant l'écran, il est où? Si là je le mets en plein écran, je vous perds ou pas? Parce que sinon je peux essayer de zoomer extreme labs, mais. Je vais le mettre en plein écran, mais je pense en. Ah, c'est bien comme ça! C'est bien comme ça! Non, avant c'était ok. Comme ça, c'est bien. Le son, il est pas trop fort là, ça va. Normalement, j'ai pas perdu trop de monde. Bien, ok. Là, c'est bien. Vous me dites si le son, il est trop fort ou pas. Ok, donc en gros, ce qui s'est passé pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est que dans une espèce de salle de jeu, de pique-nique pour enfants, il y a eu des meurtres. C'est ça, en fait. Des fois, ça marche. En fait, le problème de Outlast, c'est que je m'ai mis en difficulté maximum et je suis mort rapidement. Ok, tu me racontes, blablabla. Pizzeria. Ouais, t'allais voir. Qui allait voir le film Le chat, j'ai la peu. Attends. Ouais, on va refaire un truc encore. Attends, je vais pas trop me quitter le jeu. Quand je peux faire ça. Non, c'était pas ça le but. Ok. Oui. Le chat gêne un peu, le chat gêne un peu. Comment je peux modifier ça, moi? Le film est pas mal, c'est une copie, mais de loin. Ok. Donc là... l'écran, t'as intérêt à... Ok. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza. J'ai pas accès aux caméras. Ouais, en gros c'est une pizzeria le truc. Bon, je peux pas faire mieux que ça les gars pour l'instant. LB, c'est vrai qu'on voit pas trop trop. J'aurais bien aimé des catchers, le film est pas mal, c'est pas une copie du lore au moins. Bon, et ça me stresse. Ouais, je tourne bien l'écran, il a du mal. Hein. Non mais attends, mais je peux regarder Ah voilà, la caméra c'est là. Ok, donc ce qu'il faut surveiller, c'est les animatroniques qui sont là. La salle du pique-nique et tout. Les costumes, oui, oui, voilà. Donc en gros, faut pas qu'ils bougent. Là, il y a Foxy ici, c'est ça. Ok, du moment qu'ils bougent pas là, c'est bon. Tant que les trois ils sont là, ça va. Ouais.
En gros, c'est une pizzeria qui a été abandonnée parce qu'il y a des meurtres. Le but, la particularité de la pizzeria, c'est qu'il y avait des animatroniques. Donc c'est eux, des robots qui étaient censés animer pour l'ambiance. Mais le problème, c'est que ça a fermé parce qu'il y a des meurtres. Et la légende, en gros, ce qu'on apprend, c'est que bah, les robots sont hantés par les meurtres qu'il y a eu ici. Je vois encore comment elle a réussi pour faire streamer Flash. Je l'ai demandé, mais lui, il streamait pas sur le 1. Le problème du 1, c'est qu'il est vieux. Ok, en vrai de vrai, là, ça va. Mais elle est pas abandonnée. Bah si, il se passe plus rien parce que le truc, c'est que ça a fermé. Regarde, tu vois, ça. Enfin, après c'est peut-être pas pareil dans le 1, mais le truc il a fermé normalement. Ok, donc tant que ces trois là ils bougent pas, ça va. Et tant que Foxy il a pas ouvert son rideau, ça va. Là Foxy il est... je sais pas si on le voit, non il est pas derrière son rideau. Donc là les animatroniques ça bouge pas, ça va. Par contre faut que... fais attention à mes piles moi. Il me reste 75% de piles. Donc là il est 1h du mat, il faut tenir jusqu'à 6h. On va faire attention à ce qu'ils viennent pas, parce que les robots ils ont tendance à bouger pendant la nuit alors qu'ils devraient pas bouger. Ah, pour l'instant ça a pas bougé. Pourquoi il n'a pas recommencé? Parce que le problème c'est que j'étais vraiment trop long à avancer, genre en une heure j'ai fait 3% du jeu. Et je voulais bien le recommencer mais en baissant la difficulté, ils ont pas voulu que je baisse la difficulté. Par contre ça me stresse de ouf pour les caméras. Il veut pas fermer sa gueule l'autre dans son appel au téléphone. Ok. Donc le but du jeu, c'est de faire en sorte que il y a 5 nuits, c'est pour ça que ça s'appelle Five Nights at Freddy. Et le but du jeu, c'est que de passer les 5 nuits ici. Faut peut-être le motiver à rejouer. Moi j'étais chaud pour le refaire Outlast, mais en psychose, faut pas abuser. Psychose il m'a... Donc là il est 2h du mat. Ok, aucun des animatroniques a bougé. Foxy... comment on peut savoir si Foxy est derrière son rideau ou pas? Et comme ça. Oh, merci pour les 100 chairs, Brolac, ça fait plaisir. 100 chairs, j'ai fait un total de 100 chairs envoyés. Merci du soutien. Merci du soutien, Brolac, ça fait plaisir. Donc là, vous voyez, c'est la première nuit, tout se passe relativement bien. Faut quand même surveiller, on va faire attention. Il y en a pas un qui bouge. Ok, il y en a qui a bougé. C'est Bonnie qui a bougé. Il faut trouver où il est, Bonnie. Wesh, il est où, Bonnie? Pourquoi je le vois pas? Non. Attendez, il y a un problème, il est où Bonnie? Il va me rush? Ah, il est là! Il est là! Ok, Bonnie il est là, donc là vous voyez il a bougé. C'est pas normal, non, il aurait pas dû bouger, mais il est là Bonnie. Ok, il arrive par la gauche. Tant que Bonnie bouge pas, ça va. Mais le pire c'est quand ils se mettent tous à bouger en même temps, c'est juste c'est relou. Ok, il n'y a que Bonnie qui a bougé. Il est là Bonnie. Ouvre la porte. Il va venir par la gauche. Il est 3h du mat, faut qu'on tienne encore 3h. Ok, tant que Freddy et Chica ils bougent pas, ça va. Bonnie il est là. On garde Bonnie sous contrôle. Hey! Merci pour le sub, The Tutus! Bah alors, pas de Outlast? Bah si, si, il y avait Outlast, mais on est mort dans le Outlast. Mais pourquoi il m'ouvre? Putain, ça me stresse. Ah, ok, dès que je passe mon curseur, ça ouvre la caméra. Ok, allez, 3h du mat, il nous reste 3h, on a fini le service. Bonnie il est là. Les deux autres ils ont pas bougé. Mais par contre, est-ce qu'il y en a qui sait comment c'est que Foxy bouge? Qui est derrière son rideau? Foxy ça me stresse. Quand le rideau il est ouvert, il est parti Foxy, c'est ça? La porte de droite. Ouais, pour l'instant il est pas là Bonnie. Il a bougé ou pas? Non, il a pas bougé, il est juste là Bonnie. Ils vont pas nous tuer. La première nuit je pense pas qu'il va nous tuer. Ah merde, la porte de droite! Ah oui, elle était fermée, pardon, j'avais pas vu. Oh, il a pas bougé Bonnie. Non mais c'est bon, la nuit elle est finie là, 3h. Le rideau s'ouvre petit à petit. C'est à partir de la deuxième ou troisième nuit. Ok, donc là faut bien guetter porte de gauche. Et pourquoi tu fais pas de l'horreur 20 jours après Halloween? Ton retard habituel, ouais c'est exactement ça, on est... Ok, les deux autres ils ont pas bougé. Et pour ceux qui sont allés voir le film, il est actuellement au cinéma. Donc le film est tiré des jeux vidéo. En tout des FNAF, il y en a eu combien? Je crois qu'il y en a eu 5 ou 6. Et l'histoire de FNAF, il y a une sacrée communauté de 6. Parce que l'histoire elle est très intéressante. Oula, ah, le rideau c'est un peu ouvert. Ouah, Bonnie il a bougé. Oula, oula, oula. Ok, Bonnie se rapproche, il va me speedrun. Il va vouloir m'attaquer, Bonnie se rapproche. Il va apparaître là à mon avis, Bonnie. Et quand il apparaît là, il y a un jeu d'horreur, enfin il y a un truc d'horreur, faut vite fermer la porte. Ok, Bonnie, voyez, il se rapproche de moi. C'est comment le nom du film? Five Nights at with Freddy ou at Freddy ou un truc comme ça. Après, si vous voulez, je peux raconter un peu plus l'histoire en détail, mais...
Je vais pas trop vous spoiler le film. Enfin bon, il y a pas de spoiler, mais... Je sais que moi, mon frère Cobra, il adore. Il adore FNAF et tout. Bon, ouais, le film, je lui mettrais un... Allez, 12 sur 20. Ça va, lui, bien. 9, je crois. 8. 8 FNAF, en tout. 9, 9 ou 8 FNAF. Ok, Bonnie va, il va m'attaquer. Non, mais c'est bon, 4h du mat', c'est fini, là, la nuit. Ok, il est vraiment pas loin, Bonnie. Regardez, il se rapproche de moi. Faut regarder en bas à gauche pour comprendre où... Là, il se rapproche de moi. Pense ça que ma caméra gêne un peu, je suis en train de me dire. Donc là, surtout, quand il vous speedrun, fermez la porte. Bonnie, à mon avis, il va arriver. Oula. Il va spawn. Bonnie va spawn à gauche. Imaginez spawn à droite. Non, impossible. Il va spawn à gauche. À tous les coups, il va être à gauche. Les pros, ils font pas ce que je fais là, ils sont tout le temps sur la caméra. Allez, Bonnie, spawn! Pourquoi il spawn pas? Ça me stresse trop! Pourquoi il spawn pas? Allez, nique ta race! Nique ta race, c'est bon, on l'a eu! Allez, j'ai fini mon boulot! On se casse! Là, j'avais été sûr qu'il allait tenter de m'attaquer. Non, mais là, j'ai mal. Oh, non, mais là. Non, mais là, je vais mourir à la troisième nuit ou un truc comme ça. Ok, pensez que ma caméra gêne de ouf. Est-ce que vous voulez vraiment que j'essaie de décaler ma caméra ou pas? C'est le but que tu stresses. Est-ce que vous voulez que j'essaie... Attendez, je vais essayer de décaler ma caméra. Je vais me mettre où je gêne pas. Là, je pense que je gênerai pas. Si je me mets là, c'est bon ou pas? Je me mets genre par là. Et attendez, le chat, on peut se mettre où? Fais des prédits pour la prochaine nuit. Ok, vas-y, on va faire un prédit. Attendez. Merde, il est où mon chat? Je crois en plus il est verrouillé. Je vais juste bouger les trucs, désolé les gars, c'est pas très très pro, mais au moins ce sera plus agréable pour vous, parce que c'est vrai que là c'est pas très agréable. Clac clac. Merde, il est où le wesh, chat Twitch? Putain, j'ai trop de trucs, c'est chiant. Les deux dons, non, non. On 3D chat. Ah ok, donc c'est bien celui-là. Vous êtes là. Non, c'est pas celui-là, non, c'est pas celui-là. Putain, j'ai plusieurs chats, c'est horrible les gars. Attendez. Déjà, ça pourrait... Ah, attendez, au pire, je peux me décaler comme ça. Du coup, non. Du coup, non, qu'est-ce pas adapté, on revient. Oh, tout le monde, on est plus sur Outlast. Outlast, c'est overdead. Attendez, il faut juste que j'arrive à trouver où est mon chat. Oh, j'ai trop de trucs, c'est horrible. Je me perds dans mes sources, les gars. 9 secondes, je vais réussir à retrouver où mon chat. Mon chat, mon chat, overlay. Ça, c'est pour enlever les... Non, ça gêne pas. Capture d'écran, ouais, ouais. Non, source caméra, non. Mais... Wesh. Il est où, mon chat? C'est dans les overlays? Le 1. Source caméra, webcam, dernière seule. Allez, donc, barre d'action. Ah, elle est bonne, la barre d'action. Qu'est-ce qu'il me dit, les overlays? Ah ok, ça ok, je peux l'enlever déjà. Et il me manque juste le chat que j'arrive pas à trouver. Où est mon chat? Ah bah il est plus là le chat. Attends, je vous ai perdu. Je vous ai retiré où? Donc c'était bien le home 3D chat. Bon attends, le problème c'est que j'ai plus de chat là. On a un petit problème. Bon là, le premier il n'est pas très optimisé pour un stream, mais ça va. Ouais c'est ça le problème, c'est qu'il est ancien. Attends, j'arrive toujours pas à retrouver. Mais je suis nul ou quoi ce soir? Bon, bah les gars, je crois que j'ai plus de chat. Ah. Si, vous étiez là. Ah, vous êtes là, c'est bon. Ok. Au pire, je vous mets en dessous, c'est bon. Ou je vous mets à côté, là.
Je vous mets là à côté de moi, c'est bon. Ok, normalement on est mieux là. Dites-moi si c'est mieux ou pas. Ouais, pourquoi le jeu il s'est quitté? Non! Ok, mais on reprend la deuxième nuit. Bon, c'est pas grave, je relance. Il faut juste que j'appuie sur... Pour en effet. C'est Alt plus Entrée pour mettre un petit écran. Donc on va pas retrouver F11. J'ai fait moi sur mon petit écran, ouais, ça me rend fou. On m'avait dit quelle touche, c'était Alt plus Entrée, je crois, un truc comme ça. Bon, j'avais trouvé la bonne touche, mais là, évidemment, j'arrive plus à la trouver. F11, plein écran, non. On va jamais y arriver. On va jamais y arriver. Ah si, c'est bon, voilà. Là, ça me le met. Putain, on avait dit quelle touche tout à l'heure. Mais pourquoi ça me fait ça? Ah merde, c'est RL. Merde, je sais plus quelle touche on avait utilisé, les gars. Oh là, mon dieu, excusez-moi, catastrophe. Je me perds dans mes touches en live. En fait, le truc, c'est qu'il est vraiment mal optimisé. Il fallait mettre en petit écran, mais je sais plus comment on avait mis en petit écran. Mais what the fuck, qu'est-ce qu'il fait? Le mieux pour Live Horror, c'est de jouer au 4. Ah, what the fuck. En fait, on avait réussi à le mettre en petit écran tout à l'heure, et je sais plus comment on avait fait pour le mettre en petit écran. Ah, F11, non. F10. Putain, on m'avait dit qu'il fallait appuyer sur Alt plus ou je sais plus quoi. Putain, mais je me suis perdu dans les touches, on avait réussi à le faire tout à l'heure. Alt plus Entrée. Ah ouais! Exact, bien joué! Merci Tutus, Alt plus Entrée. Merci, 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 merci les gars. Voilà, ok, Alt plus Entrée. Et là, on avait mis en plein écran F11. Ok. Voilà, c'est bon, ok, on y est. Ok, si, ok, excusez-moi les gars. Si un modérateur veut faire une prédiction, est-ce qu'on survit la deuxième nuit? Oh, en vrai, ça va. Ok, donc là, il est minuit. Là, ça va être plus compliqué. Non, ferme ta gueule, ton téléphone. Ok. C'est mieux, ouais, c'est mieux, c'est mieux. Ok, on aura accès aux caméras, on aura accès à tout. Mais pourquoi j'utilise du power? Putain, j'ai rien fait pour le power là. Non, mon power il descend. Mais regardez pourquoi mon pouvoir il descend. J'ai rien fait. Ma caméra elle descend. Putain, y'a déjà Bonnie qui est parti, ok. Le ventilateur. Mais wesh les gars, je perds tout mon ventilateur. Mais. C'est quoi cette fraude? Il y a une barre de base. Eh hey, attends, j'ai déjà perdu 10%, on n'a pas passé la première heure. Mais... Ah oui, il y a une barre de base. Ah ouais, ok. Mais pourquoi la caméra? Oh putain, il me speedrun déjà, lui, hein. Ok, quand ils sont là, ça craint. Et il me speedrun déjà, Bonnie, hein. What? Non, mais attendez, c'est impossible, j'ai jamais la gagné, hein. Je vais jamais la gagner. Okay, tant qu'il est là, ça va. Bon, là, vous voyez, deuxième nuit, ça commence déjà à s'agiter. Hein. C'est normal, c'est la deuxième nuit. Okay, il est pas encore à côté de moi. Il est là pour l'instant, ça va. Et les deux autres, ça va, ça se tient. Putain, il y a Chica qui est parti. Oh putain, y'a Chica, y'a l'autre là. Oh, je vais jamais la gagner. Là, on fait 3 nuits après on arrête. Ok, il est 1h du mat.
Moi, celle que j'aime pas, c'est Chica. Elle me fait peur, Chica. Mais pourquoi il y a des vieux bruits de ventilation? C'est horrible. Putain, mais c'est horrible ce bruit de ventilation. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui va arriver par derrière. Me voilà de retour. Vive le Québec. Yeah! C'est Chica qui fait la cuisine. Attention, il y a Foxy, chef. Ok, tant que le... Il faut mettre du son ou pas pour repérer Foxy? Ok, Bonnie l'a reculé. Chica, elle est là. Freddy, il se tient ou pas? Ok, Freddy se tient. Il y a juste Chica et Bonnie. Bonnie l'a reculé, Chica, elle avance. Ok. Ça va, chef. On fera plus se méfier de Chica que de Bonnie. Chica, elle est là. Oh, oh putain, j'ai plus de caméra pour Chica. PTDR, nique ta mère. Pardon. Ok, Bonnie recule. Elle va te faire foutre. Mais va-t'en. Mais laisse-moi dormir. Ok, on a Chica qui est bloquée. Il faut juste bloquer Bonnie. Mais va-t'en. Elle consomme mes piles! Foxy, il est toujours là-bas. Et Bonnie, il revient. Ah, Chica, elle est partie! Hé hé! Salut la conne! Elle est pas loin, Chica. Hein. À tout moment, elle revient. Bonnie l'a reculé. Ok, faut plus se méfier de Chica que de Bonnie. Putain, mais Chica, t'es pas sa tête de perverse. Allez, c'est bon, il est 3h du mat. Il utilise beaucoup de batterie, ouais. Ça, ça va être problématique pour les autres nuits. Freddy, il est pas parti. Heureusement que je l'ai pré-shot. Heureusement que je l'ai pré-shot. Il est venu d'un coup, lui. Hein. Mais Chica, elle est juste à côté. Ça me stresse. Ça, j'ai un historique pour un pâte à gringard. Et parce que je cherche le côté le poster de Freddy. En train de chanter à partir de la poste. Chica, barre-toi. Oh, oh, Foxy, il est parti. Eh ben, on garde la porte fermée. Hein. Regardez, Foxy, il s'en va. Ok, moi, je garde une porte fermée, je m'en fous. Comme ça, j'ai qu'une seule aile à protéger. De batterie. Ok, Chica l'a reculé, c'est bon. Mais Foxy, il est parti ou il part pas? Bonnie l'a reculé. Ok, il revient le lapin. Il nous reste une heure avec 17%. Foxy, il part pas. Freddy, il joue pas. Chica, elle est pas loin.
Mais Foxy, il me stresse, pars ou pars pas, mais reste pas comme ça. Détourne ta mère. Ok, le lapin il se casse. Foxy il se casse. Chica elle est repartie. Ok, c'est bon, on la gagne. On la gagne. Hey Pearsam 5, bouh. Merci pour le prime, comment ça va? Ok, c'est bon, je la passe. Chica s'est barré. Foxy, c'est bon, ça joue pas. C'est bon, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Heureusement qu'il n'y avait pas Freddy à gérer. Hein. On est bon, on la passe. Faut que j'apprenne à moins dépenser à ma batterie, moi, je pense. Allez, c'est bon, c'est fini. Mais c'est bon, c'est fini là. Allez, stop. Il est revenu. Chica, je la vois pas, j'aime pas. J'ai fini mon boulot. Salut les cons. Ah, la journée est finie. Okay. Merci, merci beaucoup. Non mais c'est bon, la troisième nuit, on s'arrête à la troisième et c'est bon. Wow. C'était quoi la prédiction? C'était de finir la nuit, c'était ça? Wow. Non, jusqu'au bout. Non mais je gagnerai jamais jusqu'au bout. Putain, la prédiction c'est de finir le jeu, non? Et chercher Pessa Freddy en train de chanter. A partir de là, il bascule vers la nuit caméra avant de revenir vers la 15 minutes. Donc, le jeu, c'est 5 minutes, tu fais 5 minutes. C'était quoi la prédiction? C'était vraiment finir 5 minutes? Ah non, c'est ça la prédiction. Targe survivra-t-il? 11 000 points avant Clooney et 8 autres personnes, bien joué! Allez, mute call. Ok, Chica, elle est partie. Chica, elle joue à gauche à chaque fois. Ok, donc là. Eux ils sont là, il y a Chica qui est parti. Ok, Chica, on a encore le temps. On a encore le temps, ça va, ça se passe bien dans le bureau. J'ai fait les 5 nuits sur FNAF 3, tu vas faire les 5 nuits sur FNAF 1. Il disait non. Eh, bravo Christophe qui a fait un abonnement à Cobra. Okay, c'est bon. On est bon. The camera. Ok. Cobra, c'est un foussard. Mais non, GG. Merci beaucoup. Allez, on tient, les gars. Putain, mais j'ai perdu 10% de la batterie. Il est même pas 1h du mat. Mais je perds ma batterie tout seul, j'ai rien fait, je perds ma batterie tout seul. Et Christophe qui a pris un abonnement à seconde personne. Non mais c'est, il est 1h du mat là, ça y est. Putain, le temps il est trop long. Moi, vous voulez que je vous dise, les pros ils font quoi sur ce jeu? L'autre il a pas ouvert son rideau, j'espère. Non. Les pros ils font quoi sur ce jeu? Le mec il fait tout le temps ça. Il fait ça. Ça fait mal à la tête, mais il fait tout le temps ça. Droite, gauche, fermé, ouvert, droite, gauche, fermé, ouvert. Il fait que ça. Et le mec, je l'ai vu, il a fait je sais pas combien de nuits. Parce qu'après les nuits, tu peux mettre un système pour compliquer et tout. Ça se voit, il est pas 100% à l'aise là. Oh, ça va. Va te retrouver devant Chica, voir si t'es à l'aise. Tiens. J'allais dire, elle est là la salope, mais c'est peut-être pas très sympa pour elle. Vas-y Chica, viens. On t'attend, nous. On a envie d'en découdre. Moi les gars, c'est mon taf de nuit. Oh là, on peut allonger la chaise. Ça se passe bien, on appuie sur le nez de Freddy. Ça attire Chica, il paraît. Comment attirer Chica? Le sifflet de Chica, non? Tant qu'elle est là, ça va. Ta vieille gueule, là, perverse. Ok, moi je kifferais me retrouver devant Chica. Ouh, j'ai honte. Un date avec Chica, ce gros poulet jaune, là. Non mais 77% de batterie perdue, c'est n'importe quoi. Mais éteins-moi ce ventilateur de merde. Ok, deux ils sont là. Chica elle est plus là. Non, Chica elle est plus là, elle a reculé. Ça va, ça se passe bien. Toi tu veux te retrouver devant une Chica, c'est tout. Oh Foxy, oh, nous serons prêts, crois-nous. Hey Dark Shingen, GG, bonsoir monsieur Dark Shingen. Toi aussi tu veux rencontrer Chica? Ça c'est pour appeler Chica normalement. Ça a pas marché. Oh, elle est pas là Chica. Non, elle est repartie dans la cuisine.
Ok, les deux autres sont pas partis. Pour l'instant, il y a que Chica à gérer, c'est largement agréable. Bonsoir, comment tu vas? Deuxième AM 72, c'est pas mal. Le tout, c'est de savoir où est Chica. Ici, nous avons localisé Chica. Oh, 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 oh. Foxy ne me déplaît pas. On est parti, Foxy. Non, c'est juste des bruitages de merde. Chica. Kitchen. Oh, elle est repartie, Chica. C'est bon, Chica, elle a reculé. Elle a reculé. On a plus besoin de toucher à rien. On peut appuyer sur le nez. Oh, reviens, reviens, reviens. Oh, ils sont tous partis, non. Freddy. Foxy. Chica. Oh, ça pue. Eh, venez, hop. Là, ils vont attaquer, c'est sûr. Mais putain, il me saoule, lui, il part pas vraiment. Tension là. Chica qui revient. Foxy, mais Foxy, il part pas. Ouais, toi, Bonnie, on s'en fout. Okay, c'est Chica la plus dangereuse. C'est Chica la plus dangereuse. Il faut se méfier de Chica. Elle est dans la cuisine. Bon, Foxy, tu viens ou on discute? Est-ce qu'il y en a à qui ça fait peur ce jeu? Enfin, ou que ça stresse? Chica revient. Mais Foxy, il part pas! Comment on sait? Comment on sait quand il part, Foxy? Il me stresse, ce mec, il me tend. Non, en vrai, maintenant, avec le recul, tu vas te faire bouffer. Quoi? Mais Julien? Foxy, il me tend. On sait pas quand est-ce qu'il part. Chica! Ouais, vas-y. ...42% de batterie, 4h du matin, moi ça me dérange pas, j'aime bien. Chica. Non. Fils de pute. Je t'ai fermé la porte au nez. Je lui ai coupé le museau, non. N'importe quoi. N'importe quoi. Je sais trop le mec à l'aise en mode, oh, j'ai de la batterie, moi j'aime bien. T'as ouvert la lumière, la logique. Non! À chaque fois, c'est lui! En vrai, ça fait pas trop peur en plus. C'est juste, il m'a. Mince, j'ai pas voté. Oh, change la catégorie du live. Alors, attends, le jeu il est un petit peu compliqué. Faut que je quitte le jeu. Non! Je ne peux pas m'empêcher de rire. Il n'aura plus de cheveux à la fin du live. Oh non! Ah, c'est pas possible. Est-ce que la caméra, ça va? Elle gênait pas la caméra et le chat, ça gênait pas? Oh putain, troisième nuit, je suis mort. Il en fallait passer 5, j'en ai passé 3. Oh non, qui a gagné là? Bravo à Tutus qui s'est 5 autres personnes qui se sont fait les points. Bien, 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 bien. Non, ah, j'ai pas passé la troisième nuit, oui, j'ai passé 2 nuits. Ah, oh, ça va, ça va, ça va. Non, putain. On refait un dernier essai ou pas? J'ai gagné 236 points. Bien joué, bien joué, bien joué. J'ai gagné. Bien joué, bien joué. C'est comme tes ex, ça ne tient pas la semaine. C'est Chica, c'est Noémie. Oh, putain. Elle vient me hanter encore. Oh non, mon Dieu. Allez, on va renommer les... Non, je vais dire on va renommer les 3 robots, mais je vais pas dire le nom des 3 robots, sinon je vais me faire engueuler. Où on voit les gains? Au-dessus, ça s'affiche, mais quand tu prédis, ils disent à peu près combien tu peux te faire. Aïe, 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 aïe. Bon go, la nuit 3. On réessaye ou pas? Est-ce que ma caméra et le chat, ils sont bien placés ou vous voulez que je les décale ailleurs?
Oh non, vas-y, j'ai le seum. Sarge survit à 3 nuits. Non, vous remportez point de chaîne 664. Oui. Ça va, ils sont bien placés, on recommence une dernière fois. Oh non, non. Vas-y, juste à cause de Foxy, le streamer et Modo, on le détaille. Faut que je mette le son un peu plus fort, je pense. Bon allez, on se la refait une dernière fois. Cette fois, je la passe à 3 nuits. Est-ce qu'on relancerait pas le sondage? C'est des petits sondages, ça va. Allez les gars, troisième nuit. J'étais un mauvais gardien de nuit, non, j'avoue, j'ai trop voulu faire le mec avec mes piles et tout. Mais en vrai, le jeu est quand même bien pensé. Hein. Ça fait quoi la médaille Twitch? C'est en gros un titre que t'as en plus sur Discord. Bon allez. Les gars, troisième nuit, on y retourne. Third nuit. Freddy va te massacrer, par contre tu l'as pas du tout géré. Je l'ai perdu de vue, Freddy. Franchement les gars, je vous pose la question. Pour combien d'euros vous acceptez de passer la nuit 3 ici? C'est-à-dire que ça va se passer à peu près comme moi. Pour combien d'euros vous acceptez? Chica, toujours elle. Toujours Chica. 3 euros. Non mais t'es fou toi, tu veux te faire tuer. Gratos, je veux ma Chica. Moi les gars... Allez, en vrai... Non, même 50 000 euros, je le fais pas. Tiens, elle est là, Chica. Ouais. Gère mieux Freddy. Mais Freddy, il me rushait pas tout à l'heure. 1 million, je ne veux pas passer une nuit avec une âme d'enfant, tu m'étonnes. Mais vous êtes sérieux. Oui, oui, Chica. Qu'est-ce qu'on s'emmerde dans ce job? Avant, ça attirait Chica, ça, mais maintenant... Tiens, elle se rapproche, elle se rapproche. Ouais, ouais, ta vieille gueule, on t'attend. Est-ce que les autres sont partis? Non, elles sont pas parties. Ce qu'il faut gérer, c'est... C'est Oussama Canard. Arrête de nous énerver, Chica va vouloir venir après. Chica n'est pas arrivé que de droite, ça. Que de droite, ok. Et Cristiano Ronaldo, au revoir. Alors, Chica? Ouais! Freddy va devenir un problème de la nuit 4 pour empêcher de bouger, il faut le regarder régulièrement à la caméra. Ok, ok. Évite de trop allumer la lumière, ouais. Ah mais c'est bon! Et Foxy, il est où? Ah, sorry! It's close. Par contre là, ma batterie ça va pas du tout les gars, on a trop dépensé hein. Mais va-t'en! Tu saoules mes piles! Mais... Ah. Oussama Canard a l'air parti aussi. Allume pas trop la lumière, ça les attire. Doucement, tu vas niquer la batterie. Ah! Tu vas niquer la batterie là, les piles! Mais je me méfie de Oussama Canard. Vas-y, reste bien loin. Wesh. Putain, mais... Ok, attends. On a que Chica à gérer, ça va, franchement, chill les colos d'énergie. Par contre, les gars, faut pas que je me trompe, hein. D'or, c'est au-dessus de light. Hein, donc il faut bien que je mette mon curseur en haut, parce que j'ai confondu lumière et porte la dernière fois avec Foxy. Il faut rotation d'écran d'or. Et tu as niqué la batterie là, oh. Oh, c'est quoi cet équipement de merde? On va les attirer. Chica! Donnez le champ. Oh merde! Oula, il y a Bonnie qui arrive.
Bon, y'a Chica qui arrive. Chica, Bonnie. Deux à gérer, les gars. Bonnie à gauche. Et Freddy est polyvalent? Ok, il y a Foxy qui commence à s'énerver. À partir de 5h, il va commencer à nous rush. Tu abuses de la batterie, c'est pas beau à voir. Ah ouais, mais j'en ai besoin. Chica recule. Il reste que Bonnie et l'autre à gérer. Mais Freddy, je sais pas où il est, ce vieux mec. Chica avance. Bonnie avance pas. Mais Chica va me niquer parce qu'après il y a Foxy qui va sortir. Quoi? Ça marche pas? Wesh. Y'a eu un reboot système! Vie de ma mère, y'a eu un reboot système, ça marchait pas! Mais nique ta race! Je vous jure, vie de ma mère, j'ai. Mais c'est aberrant ce jeu! Je vous jure, je cliquais, ça marchait pas! Comment ça fallait être plus rapide? Je cliquais reboot système, ça marchait pas! J'avais que une barre de wifi. Non mais ça y est, c'est trop! C'est quoi cette fraude? Non mais triche! Arbitrage vidéo, reboot système! Y'a quelqu'un qui a débranché! Je pense en gros, si on fait du comportementaliste jeu vidéo, je crois que l'action de mort elle s'était déjà déclenchée, donc c'est pour ça que ça marchait plus les boutons. Il attendait juste que je reprenne la caméra, ce fils de chien. Non mais ça y est aussi, ça va! Foxy, Chica, et c'est qui le prochain? C'est le cupcake là! Mais c'est pas possible, je me suis pris 3 cannes. Ça va vous les gratteurs de points là? La game arbitrée par l'Argentine. Haha, de ouf! C'est de la fraude! 21 000 points, ouais. 26 000 points vont à Merdu 59 et 3 autres. Oh j'avoue, là ils sont. Putain, les 4 là ils sont fait plaisir! Hein. Non, il y a eu fraude, hein. Franchement, moi je demande VAR, il y a eu fraude. Hein. Perdu un cas aujourd'hui, Sarge, tu sais, tu fais chier. Mais il y a, les gars, j'ai pas, il y a eu une fraude. Je cliquais, non, j'avoue, attends, il y a eu ces gratteurs de points, par contre, je pense que ça va me quitter le jeu, mais c'est pas grave. Ça m'a niqué. Normal, j'ai parié 22 000 points. Waouh, wow. T'étais sûr de ton coup, toi. Oh. On fait la dernière tentative ou pas? Non, il y a eu fraude. Il y a eu une fraude, mais fiscale. En vrai, la prédit mérite d'être annulée. Ah, mais il y a eu fraude, hein, je vous jure, il y a eu fraude. Le reboot système, j'avais cliqué sur les boutons. Hein. C'est bon, on passe pas la nuit 3, vous voulez que je vous dise quoi? J'ai bien ri. Manu, petit cuirassé, merci beaucoup d'être passé. On fait la dernière vague ou pas? Il est 23h30, on arrête là ou on fait une dernière? Jamais 203. Jamais 203 ne recommence pas. Je veux plus de points donc oui. Allez, toute dernière fois. Toute dernière nuit 3. C'est... Non, merde, j'ai mis New Game. Non. Putain, quel con, je peux pas reprendre la nuit 3. Non. On va faire une prédiction sur la nuit 1. Bon, bah les gars, je crois que c'est mort pour ce soir. Non, mais c'est la nuit 1, là, ça va être intéressant. Bon. Bah, les gars, je crois qu'on a eu la réponse. Hein. Ça va être la game. Bon, et bah, coup dur. Bon, en vrai, c'est pas grave, il est déjà 23h34. Putain, j'ai cru que j'avais mis reprendre la game. Je parie 500k qu'il passe la nuit 1. C'est de la triche, ouais, non, ça, là, ça valait pas le coup de faire une prédiction pour celle-là. Bah, écoutez, je la referai. Mais en vrai, ça va, en fin de live, un petit FNAF. C'est pas déconnant, j'aime bien, c'est pas trop prise de tête, ça va vite.
C'est bon, je suis content, je me suis fait 3K. J'avoue, là, c'est toi, t'as fait une c'est plus-value ce soir. Je suis quand même content. On a été à plus de 40 personnes durant toute la soirée. C'était cool. Bah, les 23h30, c'est pas grave. FNAF, ce qui est bien, c'est que ça va, c'est pas trop trop long. Bon, on retiendra juste que j'ai été très très mauvais sur Outlast. Je m'en veux d'avoir perdu contre l'autre bonhomme, mais c'est pas grave. Bah, tu feras regarder la rediff pour Outlast. Mais le problème, c'est que comme j'étais en difficulté maximum, j'étais trop long, hein. J'ai été trop long à avancer. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Demain, les gars, reprise de la série sur Total War, Pologne sur Total War. Et puis, voilà, merci encore à vous d'être toujours autant. Vraiment, la chaîne, pour une fois, là, je peux vraiment vous donner des bonnes nouvelles. La chaîne repart bien, la chaîne reprend un bon rythme. Il y a du contenu qui sort sur YouTube, il y a des projets qui sortent sur YouTube. Je travaille là-dessus, je développe là-dessus. En tout cas, c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Et je vous remercie d'être à fond derrière Wow! 15 000 chers de Brolac, les gars! Mais c'est pas possible, mais what? Wouah! Attendez, je augmente le son! Putain, on était même pas bon sur les décibels! Wouah! Brolac qui fait les 15 000 chers en fin de live! C'est pour le live spécial Halloween! Plus de 15 000 chers de Brolac! Oh, la vache! Merci Brolac! 15 000 chers le chat! Wouah, la vache! Merci. Non, mais je m'y attendais pas du tout. C'est pas que... Ouais, c'est 15 000 chers qui viennent d'arriver. Le badge rouge qui est débloqué pour Brolac. Mais what, c'est énorme. 15 000 chers le chat. Et merci beaucoup TGG pour monsieur Brolac ici présent. Mais what, c'est super sympa. Mais attends, mais je méritais même pas. C'est une fin de live, on est 40 et 15 000 chers comme ça. Mais il avait envoyé 15 000 chers comme s'il avait envoyé 50 chers. What the fuck. Mais Brolac, what the fuck. Fuck! Mais monsieur Brolac! Mais. Oh! Eh bah, ben, voyez les gars, fallait rester jusqu'au bout. 41 personnes en live et Brolac qui a envoyé 15 000 chers. On a la barre juste en haut! Les 15 000! Après tout ce temps, te suivre, lol, c'est rien, merci à toi. Non, mais attends, merci à toi, c'est super généreux de ta part, hein. Wouah la vache, c'est énorme! DGG pour monsieur Brolac! Le badge rouge, attends, je sais pas, Brolac, je t'enverrai un MP sur Discord si tu veux. Soit la casquette de sécurité pour passer la nuit FNAF ou un t-shirt de la chaîne avec plaisir. Attends, et 15 000, c'est énorme. Vous voyez, les gars, quand les chiffres sont bons, il y a du monde qui suit derrière et tout. Mais what the fuck, oh, 15 000, cher monsieur Brolac. Oh là là, c'est super généreux. Est-ce qu'on rate quelqu'un ce soir? Attendez, on va regarder qui y a sur Twitch. Clac, 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 je lance mon Twitch. Non, mais je t'enverrai un MP pour te remercier. Hein, encore des GG à Brolac. Hein. 15 000, les gars, c'est énorme. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux, toi? On te connaît pas. Ah, bah, oh, y a. C'est quoi ça? Ouais. Ok. Y a Sarah qui était passée en stream qui fait un live de son côté. Vous voulez que je vous envoie là-bas ou pas? Elle était avec nous au début de Outlast. On va raid l'Ukraine comme Poutine. Tu retenais Outlast? Tu rentres en train à Outlast, un autre jeu? Ouais, y aura un second live Halloween qui va arriver. Non, mais en tout cas, merci encore un gros GG à monsieur Brolac. Allez, on va envoyer de la force à Sarah, elle est passée nous voir en début de live. Olé. Et The Tutus qui renvoie 100 chers, merci pour les 100 chers, monsieur Tutus. Des GG, The Red Prestation, The Red Constitution. Halloween en retard. Bah, en tout cas, on continuera les lives Halloween et tout, c'était que le début. Mais merci à toi, The Tutus, 100 chers, Tutus, il était toujours aussi des chers à chaque fois. Ça fait super plaisir, Christophe, à chaque fois, il est là pour les subs, il est là à chaque fois pour les chers, il est là à chaque fois pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir. Et je le dis, je le répète, mais il n'y a pas qu'avec les dons qu'on soutient la chaîne, votre présence, c'est déjà largement suffisant pour moi et ça me fait super plaisir. Merci à tous nos donateurs, merci à tout le monde. Dernière news Twitch, voilà, encore une fois, on fait des super mois, on se développe super bien. Et là, on reprend les gros projets et on travaille là-dessus. Il faut vraiment, les gars, qu'on arrive à faire les 30K avant la fin de l'année, si possible. Et surtout que la chaîne décolle, parce que franchement, vous le méritez, on le mérite. Et puis voilà. Allez, let's go, les gars. Je vous dirige vers le raid de Sarah. Et voilà, je te remets un message en MP. Merci encore à toi, c'est Christophe, pour tous les chairs. Merci aux Tutus pour tous les chairs aussi. Je reprends du service, ça me fait plaisir d'avoir du temps pour regarder tes lives. Merci Tutus, ça fait plaisir. Voilà, je sais que je suis un peu une tapette, mais ça, faut pas trop le dire. Allez, let's go. On va aller faire un... Faites un petit coucou à Sarah, elle sera contente de vous voir. Allez, slash, raid, let's go. On est parti, on est combien? Hop, hop, un spectateur, 5 spectateurs, on y va en force le chat. On donne une bonne image, allez. Ça part dans 4 secondes, on y est presque et... Let's go, c'est parti, bon raid. Allez, n'hésitez pas à aller voir son contenu, à plus.